Dober dan v Evropskem magazinu. Vprašanje beguncev ni samo vprašanje posameznih držav, ampak problem celotne Evropske unije. Tri leta trajajoči konflikt v Siriji je z domov pregnal več milijonov ljudi. Mnogi so pribežali v Evropsko unijo. Glavni vstopni točki sta Grčija in Bolgarija, a razmere v slednji so daleč od tega, kar so begunci pričakovali. Alentour, il n'y a rien. Uniquement des champs friches ou des collines boisées. Bienvenue à Goliamdervent, le village le plus proche de la frontière turque. À un bout du monde, déserté par la plupart de ses habitants. En bulgare, Goliamdervent signifie la longue marche. Le village n'a jamais aussi bien porté son nom. Depuis l'été dernier, des centaines de réfugiés syriens y échouent après avoir marché des jours durant dans la forêt. Un crève-cœur pour Angela et son mari. Malgré sa maigre retraite, elle se débrouille toujours pour apporter un peu de réconfort. Je ne savais pas qu'il y avait la guerre en Syrie. L'un d'eux m'a raconté avec des gestes qu'on a égorgé sa mère devant lui. Et puis on lui a tiré dessus, mais il a réussi à se sauver. Il y avait un groupe de 60-70 personnes sur la route. Je les ai vus, ils étaient assis. Les enfants pleuraient, ils étaient pieds nus, ils avaient faim. Il fallait qu'ils mangent. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux leur donner? Alors j'ai acheté du pain blanc. Quand ils sont passés devant la maison, je leur ai donné le pain avec du fromage. Je leur ai donné tout ce que j'avais. Le lendemain, il règne une animation inhabituelle à Goliamdervent. Des dizaines de militaires et de journalistes arpentent les rues. Les ministres bulgares de la Défense et de l'Intérieur effectuent un déplacement qui va faire la une des journaux. Les images qu'ils ne veulent plus voir, ce sont celles-ci. Des clandestins toujours plus nombreux à franchir la frontière et des policiers brutaux, comme celui-ci qui matraque un homme à terre. Alors, les ministres viennent faire la promotion de ce qu'ils considèrent comme l'arme anti-clandestin. L'érection d'une clôture barbelée longue de 30 km et haute de 3 mètres. Une barrière qui s'inspire de ce que la Grèce a construit l'an dernier et qui a détourné une partie du flux de clandestins vers la Bulgarie. Armanli, le principal camp de Syriens à la frontière. Une caserne militaire désaffectée depuis la chute du régime communiste. À peine 400 places en dur pour 4 fois plus de réfugiés. Débordés par l'afflux, les Bulgares ont installé en urgence des tentes. La plupart y végètent depuis des mois, faute de moyens pour aller ailleurs. On a quitté la guerre et on se retrouve dans un endroit encore pire. Je n'aurais jamais imaginé une vie aussi sordide. Si j'avais su, je serais restée chez moi. Au moins, mes enfants seraient morts pour quelque chose au lieu de mourir de froid. Moi, je veux partir, aller en Allemagne. Là-bas, on a de la famille et puis c'est un pays civilisé. L'un des moments les plus attendus, l'arrivée de l'ambulance. Affrétée par une ONG, elle est là tous les jours, du matin au soir. Les plus touchés par ces conditions de vie rudimentaires, ce sont les enfants et les bébés. Ils sont nombreux dans le camp. Les enfants, ils sont tout le temps malades. Ils ont de la fièvre, ils ont l'estomac dérangé. Je n'ai aucune idée de l'endroit où aller. Moi, je demande simplement qu'on protège mes enfants. C'est pour eux que je me suis enfuie. Alan. Alan, Mohamed Ali. Alan. À quelques mètres des tentes, le premier bâtiment de l'ancienne caserne est enfin en chantier. L'Europe a fini par ouvrir son porte-monnaie, non sans réticence, car la corruption en Bulgarie est un fléau. L'argent n'arrive pas toujours à destination. Une réputation que le chef du camp, un ancien militaire, récuse. Tout le monde sait que nous sommes le pays le plus pauvre d'Europe. Notre économie est à bout de souffle. On n'a aucun moyen dans beaucoup de domaines. Mais le plus désagréable, c'est que les migrants syriens nous accusent de tous les maux. Que nous les battons, que nous les affamons, que nous les volons. Ils disent tout ça parce qu'ils espèrent qu'on va les prendre dans les pays les plus riches d'Europe.
Bilal n'a passé qu'une seule nuit dans le camp. Son frère, qui vit à Sofia, la capitale bulgare, lui a prêté une petite chambre. Ce professeur d'université a fui la Syrie il y a 4 mois. Pour lui, l'Europe, c'est le continent des droits de l'homme. Mais en arrivant en Bulgarie, il a déchanté. On sent que les gens ont peur de nous. Ils ont un comportement vraiment inadmissible. C'est partout pareil, à la frontière comme à Sofia. Les policiers te rackettent, te volent ton argent, ils t'arrêtent constamment, confisquent tes papiers. Comme beaucoup de Syriens, Bilal veut fuir la Bulgarie et se réfugier dans un pays plus accueillant, la Suède par exemple. Mais il faut déjouer les contrôles douaniers. Nous décidons de le suivre. 1h du matin, la gare de Giurgiu. Le dernier arrêt avant la Roumanie. C'est maintenant que tout va se jouer. Bilal a le ventre noué par l'angoisse. J'arrête pas de me poser des questions. J'ai peur, j'ai vraiment un gros doute. J'ai le cœur qui bat, je me dis, ça y est, il va y avoir un problème. Nous filmons le premier contrôle en caméra cachée. Au douanier bulgare, Bilal donne une carte d'identité française. Le temps s'arrête. Finalement, ce premier contrôle se passe bien. Bilal, soulagé, accepte de nous dévoiler son stratagème. C'est une vraie carte d'identité française. Mais en réalité, c'est moi qui l'utilise, pas son détenteur. Le propriétaire de la carte, c'est en fait un cousin qui vit en France. Oui, sur cette carte, tout est vrai. Le nom, la photo. La seule chose, c'est que la photo me ressemble à peu près. Mais grâce à Dieu, ça a quand même réussi. Ouais, ensemble. Mais l'épreuve n'est pas terminée. Alors, yes. C'est au tour des douaniers roumains de procéder au contrôle. Et là, l'examen de la carte de Bilal ne semble pas totalement convaincre le fonctionnaire. Après l'avoir longuement examiné, il rend finalement la carte à Bilal. Passeport syrien aussi ? Non. Le train part enfin. Bilal peut se détendre. Cinq heures du matin, la gare de Bucarest, en Roumanie. Encouragé par ce premier succès, Bilal veut sans tarder aller encore plus loin. Un train part dans 5 minutes pour la Hongrie. Il part dans 5 minutes. Just 5 minutes. I can. Maintenant. Pas le temps d'acheter un ticket ou de faire du change. Ça aurait pu mieux se présenter. Petit moment de panique. C'est seul que Bilal va devoir poursuivre son chemin. Nous le quittons sans savoir si nous le reverrons un jour, au terme de son voyage, la Suède. Zaradi prijazne zakonodaje do azilantov je Švedska med begunci ena najbolj priljubljenih držav. Od začetka sirskega konflikta so sprejeli že več kot 25 tisoč ljudi iz te države, največ med vsemi državami članicami Evropske unije. Le pont de l'Öresund, c'est le point de passage privilégié des Syriens pour entrer en Suède, la terre promise. Dès l'aube, des camionnettes avec à leur bord des réfugiés roulent en direction d'un bâtiment en briques rouges dans la banlieue de Malmö. C'est l'office des migrations. Les véhicules s'arrêtent et déposent leurs passagers sans même se cacher. Il est 8 heures, la salle se remplit rapidement. La majorité des demandeurs d'asile sont des Syriens. Choukri sort d'une prison syrienne. Ses fils avaient manifesté contre Bachar al-Assad. Les services secrets avaient arrêté le père pour les obliger à se rendre. Choukri vient de rejoindre sa famille en Suède. Je suis arrivé hier soir. Ma famille, elle, est là depuis 6 mois. Quand ils m'ont jeté en prison, ma femme et mes fils ont dû prendre la fuite. Ils étaient menacés. Ils sont passés par la Turquie, puis la Grèce, ils sont arrivés ici. Vous venez d'où ? Syrie.
Depuis l'été dernier, le seul centre de Malmö voit passer 600 Syriens en moyenne par semaine. Jamais la demande n'a été aussi forte. Une fois leur dossier constitué, l'office les transfère dans des centres situés le plus souvent dans de petites villes plus au nord. L'idée, c'est d'éviter que les réfugiés se concentrent ici, à Malmö ou dans les grandes villes. Il faut aussi tenir compte du fait que nous devons trouver des logements pour les accueillir. À 2 heures de route de la capitale Stockholm, la petite ville de Flen, 6000 habitants. Un camp accueille depuis des années les vagues de réfugiés fuyant la guerre. Bilal est ici. Il partage une chambre avec un cousin. Les 2000 km de cavale du professeur à travers 7 pays européens s'est déroulé sans trop d'encombre. Et il est ravi de l'accueil que lui ont prodigué les Suédois, loin des souffrances endurées en Bulgarie. Je me suis enregistré au camp, puis ils m'ont donné des couvertures, des draps, des serviettes de toilette, tout. J'ai aussi la clé de la chambre, un badge pour la cantine, et ils m'ont expliqué les règles qui régissent la vie du camp. Franchement, ils sont vraiment adorables. Au cours de son périple, le professeur a cassé ses lunettes, un handicap pour un myope. Ce matin, il vient les changer chez un opticien. C'est l'État suédois qui va payer. Il alloue aussi une carte bancaire à chaque arrivant. Y est versé une petite somme d'argent pour acheter des vêtements ou autres commodités. On me donne 3 euros par jour. Ils mettent ça sur mon compte bancaire. Mais la nourriture et le logement, c'est à part. C'est l'office qui les prend à sa charge. Ces 3 euros, c'est de l'argent de poche. Mais en ces temps de crise, la générosité de l'État suédois vis-à-vis des étrangers commence à susciter des crispations. La petite mosquée de Flen a même été vandalisée 2 fois ces 15 derniers jours. Je suis choqué par ce qui s'est passé à la mosquée. Mais en ce moment, nous avons un débat initié par un parti raciste qui est apparu sur la scène politique nationale et même ici, au niveau de la municipalité. Il y a beaucoup de gens qui sont hostiles aux immigrés en ce moment. Nous retrouvons Bilal à la cantine du camp. Il doit dîner avec son cousin, qui, après un long et dangereux périple en mer de l'Égypte à l'Italie, va obtenir sa carte de réfugié politique en Suède après 3 mois d'attente. Quand je suis arrivé en Italie, on nous a emmenés dans un camp. On a pu se laver. Le lendemain matin, on nous a dit « Si vous voulez rester, restez. Si vous voulez partir, allez-y. On ne vous prendra pas les empreintes digitales. » Les empreintes, c'est le souci de Bilal. Venez avec moi, je vais prendre une photo et vos empreintes. Pour faire une demande d'asile politique, on doit nécessairement scanner les empreintes digitales du demandeur. Or, la police bulgare l'a forcé à le faire alors qu'il n'avait aucunement l'intention de rester dans le pays. Et en vertu des règles européennes, Bilal risque d'être expulsé en Bulgarie si la Suède s'en rend compte. 20 minutes après l'examen, la mauvaise nouvelle tombe. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Ce n'est pas moi qui peux prendre la décision. Les gens savent que laisser ses empreintes dans le premier pays où vous avez demandé l'asile, c'est un piège. C'est pour ça que beaucoup évitent de se soumettre à cet examen avant d'arriver en Suède. Plus malins ou plus chanceux, ces Syriens sont passés entre les gouttes. Ils quittent le camp. Les voilà réfugiés politiques en Suède. Une vie nouvelle s'ouvre pour eux. Amer, Bilal, le professeur, s'en retourne seul. Une nouvelle et délicate épreuve l'attend. Il croyait pourtant avoir fait le plus dur. To je bil evropski magazin. Bodite z nami tudi prihodnji teden.